On vient de se faire une petite montée là direct. Ouh. Ouh. Pas facile. Allez, aujourd'hui c'est Fifi encore, mais c'est pas possible. Ouais, non, mais là elle m'a tué déjà. Là. Ah. Et Guillaume. Coucou. Ouais, donc bivouac prévu depuis 2 mois, on avait mis la date pour que le petit Guigui, il voit la neige. La neige. Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a pas de neige en Alsace. Tiens, connard, vengeance. Parce qu'elle allait dans le train, il me l'a fait. Donc je me venge. Ah, mais merde. Et voilà. Ah, on va arriver. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, oui. T'as dit brindilles, regarde, on va pas avoir besoin de bâtonnets. Oh, super. Des brindilles sèches, ouais. Sèche, ouais. Putain, ils les ont vus. Donc là, il y a un troupeau de chamois. Juste là-haut. Ouais. Tu les vois, hein? J'ai vu, ouais. Ça. Là, à gauche, voilà. Oh là là, il y en a plein encore. Ouais, il y en a un paquet, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah putain, il y en a plein encore qui sortent. Mes petits chamois, que j'ai jamais vus en hiver d'ailleurs. À partir du mois d'avril. Ils sont toujours là. Désolé si ça bouge. Mais oh là là, il y en a plein. Il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Les chiens, vous me sortez de la neige, s'il vous plaît. Vous les avez pas eu, hein. Vous les avez pas eu, ils sont plus rapides, hein. Vilain. Vilaine. Mon genou, il est là. Donc en gros, là, je suis à mi-cuisse quasiment. Mi-cuisse, bah, on verra par rapport à cette fermeture, je vous montrerai. Là, je suis à juste en dessous. Et là, pour me dégager de là, je vous dis pas quoi. Oh putain. Salut tout le monde. Et ben voilà. Après ces quelques scènes de départ, on est arrivé sur le lieu, alors plus bas que ce que je pensais à la base, parce que c'est quand même très très compliqué. On a marché 3 quarts d'heure à peu près, un endroit où quand il n'y a pas de neige, allez, on met 1 quart d'heure, 20 minutes, donc il n'y a pas énorme, il ne doit même pas y avoir 1 kilomètre, mais dans la neige ça se complique nettement. Donc on va s'arrêter à ce stade-là, qui est déjà très très joli, c'est à 200 mètres d'où je bivouac d'habitude, c'est à... 600-700 mètres sur le bivouac solo que j'ai fait, mon dernier bivouac solo d'ailleurs. Et j'adore cet endroit, je suis déjà venu plein de fois. Ah mes chiens. Et voilà, je voulais amener Guillaume ici, je fallait qu'il y ait un petit peu de neige, bouger mon pied, je vous dirai rien. Et puis il faut en profiter parce que les températures sont vraiment remontées, j'ai peur que la neige elle se casse assez vite. Donc voilà. Bon, je fais pas trop de blabla, on va s'installer, surtout qu'il y a encore allez, 2 heures de jour et c'est tout, c'est pas énorme. Je vais vous parler ensuite de ce que j'ai fait quand même avant de faire autre chose, de mes pompes. Donc, la petite vidéo d'avant c'était sur mes semelles. Donc je vous montre le système. Donc nouvelle pompe bien étanche des 4, paire de chaussettes bien chaude aussi, et en dessous donc des chaussettes néoprène. On va se poser, on prend le feu à l'intérieur et puis la vie est belle, j'adore cet endroit. Allez, à plus tard. Allez, je vais me poser là, je viens de déblayer toutes les branches qui traînaient, petite épaisseur d'herbe. J'aurais pu me mettre sur la neige mais ça durcit trop après. Et puis voilà, il y a cet endroit-là qui est sympathique, à peu près plat. Je vais dormir au sol pour une fois. Alors voilà, c'est un bon début. Mais comme d'hab, les couchages, les montages au sol, c'est pas... J'ai pas la patience en fait. Oups, je m'enfonce dans la neige en même temps. Et à chaque fois, j'oublie mes sardines. À chaque fois. Donc j'en avais 3 là, parce que j'en utilise très peu pour le hamac. Donc sardines en bois pour la plupart. Voilà, que je mette mieux, voire attaché à l'arbre ici. Donc bon. Surélevé avec la branche derrière. L'intérieur, j'aime bien toujours avoir cette espèce de porte en fait. Qui me calfeutre mieux. Toujours ma bâche donc de 1,50 m par 2 m, je crois, voilà, c'est ça.
Et donc, tiens, je vais vous parler d'un truc en même temps. C'est que, vous voyez, j'ai mis le côté aluminium. Alors, c'est un faux aluminium, hein, c'est un peu un aluminium pourri. Mais là, pour en fait me protéger du froid qui arrive du sol, j'ai pris quand même une bâche pare-brise. Du coup, là, mis de l'autre côté. Mais comme je ne serai pas dessus, de toute façon, il y aura le matelas par-dessus. Bon, ça ne va pas refléter la chaleur de mon corps. Mais bon, il y aura peut-être un peu de chaleur via le matelas. Donc voilà, je suis un mix des deux. Terminé. J'ai remis un peu des morceaux de bois par-ci, par-là. Bon, il n'y a pas de vent, de toute façon, ça devrait le faire. J'ai fait une petite poupée ici pour surélever un peu le côté. Voilà, mais dans de l'arbre. Je suis rentré à l'intérieur. Ça me permet d'avoir un petit côté surélevé. C'est pas très haut, mais ça garde d'autant mieux la chaleur, donc c'est pas plus mal. Et voilà. Allez, je vais gonfler mon matelas et ça sera bon. Alors mon coucouche là, on a ramené ce gros tronc pour s'asseoir dessus. Là, la question c'est du bois sec, ben, il n'y en a pas. Par contre, je vais garder ce tronc qui est penché. Et là, tac. Et donc ici, cette écorce est bien sèche. Donc il suffit juste d'en prendre quelques petits morceaux. Ça c'est vraiment sec, sec, sec. Et ça va nous aider à allumer le feu. Il y aura un petit peu de résine à l'intérieur. Donc c'est très bien. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Hein. Je ne vais pas dépouiller l'arbre. Mais pour un démarrage, ça peut bien aider. Je crois que c'est le seul bois que j'ai eu sec. Le méchant bois gras, il a eu le temps de s'en aller. J'aurais pu faire des languettes plus mieux, hein. C'est pas appliqué, hein. Allez, c'est une petite dinette de Lily, ça, je vais peut-être l'épargner. Ça sent bon le bois gras. Oups, non. Bon, ben voilà, c'est bon, dans 5 minutes, on a la braise. Oh, oui, bien sûr. Je vais mettre le petit bois et il est trempé. Et tout va s'éteindre. Ça marche bien mon écorce là. Ça sèche. Là pour l'instant c'est encore le bois gras et le boulot et l'écorce qui prend. Hein. Je peux te dire qu'il n'y avait que ça. Tant que c'est pas sec, ça ne prendra pas. C'est pas fou, c'est pas gagné. C'est pas gagné, ah non. L'hiver c'est différent. Ah l'hiver, c'est pas pareil. On n'est pas dire la même chose que toi. Et ben voilà, c'est parti. C'est 5 minutes. Si si là, c'est parti là. Bah, alors, après tout le reste est trempé maintenant. Comme il dit Fifi. Comme il dit Fifi. Tant qu'il n'y a pas des grandes flammes et de la braise, c'est pas parti. Mais bon là je suis assez contente quand même. Parce que le petit bois tout trempé. Ils se lancent tous les deux des fleurs là tout à l'heure. Alors que c'est moi qui ai allumé le feu, magnifique. Donc là pour aider j'ai coupé plusieurs petites branches comme ça ici. Hein. Faut pas oublier que le bois gras il est bourré ici. Donc je coupe la branche là, de l'autre côté on servira plus tard. Et puis on utilise donc cette partie là. Waouh, il est beau le feu, il est beau. Merci le hêtre, merci. Alors là on va attaquer, décriquer pour la première fois. Je vais manger ça. Voilà quoi. Comment vous dire, je suis pas tellement motivé, mais on va tester, hein. Pourquoi vous me filmez les gars? C'est pas. On dirait un peu du carton. Non, c'est des criquets. Ouais, bah je vais m'arrêter là. J'en ai goûté deux. C'est bon. Allez, au revoir.
Ah non, c'est pas bon, hein, les gars. Bon, allez, soyons sérieux. Donc, c'est Guigui qui s'y colle. Ouais, bah, j'ai rien demandé. Hein. Ouais, bah, c'est comme ça. Donc, il nous a coupé des petits oignons, des petites carottes. Il y a des lardons. Et il y a toujours un beau feu. Avec du hêtre. Et du pain. Voilà. Après, on va déglacer au vin blanc. Ouais. Ça sera la fin. Mais à un moment, ça chauffe quand même. Hein. Ah, bah, c'est normal. Ah. Tu peux trop brûler, s'il te plaît. Mais avec plaisir. On l'a refait. Oh, c'est chaud. Ça chauffe quand même au bout d'un moment. Ah, ben bah, oui, hein. Quand tu gardes un truc chaud pendant 3 minutes. Excusez-moi, la scène n'est pas très naturelle, mais c'était ce qu'il y a juste avant. Je l'ai refait. Allez, on va passer aux choses sérieuses. C'est des mignons, saucisse de morceaux. On finit de cuire. On met tout ça. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. C'est chaud, hein. Avec un grand, ça le fait. Non, mais il y en a que un. Non, il y en a trois. En plus. Il y en a trois. Le mien est rangé, celui d'Agnès aussi. Pas plus haut que le bord. Ouais, bah tiens. Tiens, j'en ai un là, si tu veux. Non, c'est trop tard, j'ai plus de poils sur la main. Oh, mais elle est en train de filmer. Mais oui. Ah, faut pas parler quand Agnès filme. Non, faut pas filmer surtout. Interdit. Ah mais moi j'ai arrêté de filmer. Après elle m'engueule parce que je filme pas. C'est un peu paradoxal quand même. Hein. On n'a pas le droit de filmer pendant que tu filmes, mais t'es toujours en train de filmer. C'est pas faux. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas faux. Bon alors. Mais c'est. C'est pas moi, hein. Indiana, t'as pété. T'as mangé quoi, un panini? Ah, ça n'arrête pas, c'est la soirée prout. Je vous dis pas. Ah, c'est vrai, non, mais franchement, j'ai jamais entendu prouter autant que ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah bon? Il y a des soirées pyjama, il y a des soirées prout. On n'est pas en forme. Pourquoi je me tiens? Parce que tu vas la laver. Ah, c'est parce que je sais que les chiens vont la lécher sinon. Ouais, et bah quoi, ça va te laver? Pour le petit déjeuner, demain ça peut être sympa. Pour les tripes. Oui, parce qu'on va manger tripes, riz et piment. Moi, pas perdu, moi, comme d'hab. Hein. Lui, il a compris que la cuisson était pas finie et moins con. Oui, c'est surtout qu'il se rapproche gentiment. Tiens, regarde. Les pelures, il va bouffer les pelures d'oignons. Donc tu mets du piment à quel moment? Ah non, hein, pas de non, piment. Non, le piment, je t'ai dit, c'est pour les tripes et le riz demain. Ouais, mais c'est le petit déjeuner demain. Oui, et ben, tu veux nous brûler la gueule pour la journée en fait. J'ai du concentré de tomates. 23h30, on mange. Enfin, ça va. Quand même. On va recharger le feu là. J'ai tout les fumiers. Oh bah quand même. Quand même, hein, c'était long, hein. Oh, excusez-moi. Coucou, c'est le matin. Bon, eh bien, je vais vous raconter un petit peu ma nuit et vous allez comprendre que j'ai pas super bien dormi. Tant pis pour moi. Bah, je vous explique mon problème de la nuit. Il est visible comme ça. Voilà. En gros, c'était ma position pour dormir. Là, ici, là, avec les pieds qui dépassaient. Ah non, mais c'était top, hein, c'était top. Ah, super. Ah, vraiment génial, vraiment super, super génial. Et c'était en pente, quel abruti je suis. Mais vraiment, je l'ai pas vu, quoi. Ah, mais vraiment, quoi. Les pieds ici, voilà. Quelque part, heureusement qu'il y avait ce bâton, hein, d'enfoncer. Voilà, défense 4, il est pas mal finalement, hein, parce qu'il était plus ou moins dans la neige. Et puis voilà, je faisais toboggan, chenille. S'il est décalé vers la gauche, c'est parce que j'ai essayé de voir si je pouvais pas trouver un sens de pente
Enfin, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Voilà. Bon, par contre, on peut voir que c'est un peu gelé à l'intérieur. Un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc, il a fait pourtant froid. Donc, au niveau condensation, ça a été, quoi. C'était pas la cata. Hein, moi, j'entends, je lis des trucs, des fois, comme quoi l'intérieur du tarp est trempé. Donc, ça va. Il y a un truc dont je voulais vous parler depuis longtemps aussi, c'est les piquets en bois. Donc, à chaque fois, on voit des tutos où on fait les piquets d'une certaine façon, avec une encoche et patati, patata. Bon, je monte mon piquet. Voilà. Que dalle. Rien. Peut-être légèrement taillé. Allez, enlever 2-3 coups de couteau là pour le faire un petit peu plus fin. Ou encore, il y en a certains, je pense que je les ai carrément enfoncés direct. Genre celui-là. Vous voyez. Alors, évidemment, il faut que le terrain soit quand même meuble. Mais après, je ne fais pas d'encoche. Je le mets simplement bien de travers. C'est hyper important. Si vous le mettez droit, il risque de se barrer. Mais bien de travers, il n'y a vraiment aucun souci. Je ne suis jamais enquiquiné à faire des encoches. Quoi. Donc, c'est encore du petit folklore, hein, comme dire certains, mais voilà, vous prenez des morceaux de bois quand même suffisamment longs. Plus c'est long, mieux c'est. Bon, évidemment, il faut que votre terre soit meuble. Hein. Voilà. Allez, on range tout ça. Oh, le soleil. Le fifi a rallumé le feu. Non, Johnny est mort, ne vous inquiétez pas. Alors là, il fait 0. Il a fait -1, -1, -2 cette nuit. Et donc ça va, pas trop froid. Correct. On fait un petit feu qui fume d'ailleurs. Bah, pour le petit déj, il est 9h. Et voilà, on va pas trop traîner. Le camp... Voilà, on était souvent debout hier parce que la fumée va souvent par là. Bon, moi, j'étais souvent là avec mon petit bout de tapis. Qui est très très bien. Ouais, je me suis assis là, ça se voit. Hein. L'arbre, il n'a pas résisté non plus. Hein. Coucou, je Fifi. Coucou, je Guillaume. Petite pub en passant. Voilà, hein, mes cuillères. Que j'ai donc faite cette semaine, que je montrais sur ma page Les Mini Aventures Facebook. Hein. Voilà, je pense que je ferai une petite vidéo d'ailleurs sur mes cuillères un peu sur ma chaîne aussi, un petit peu un jour, pour montrer quelques belles cuillères en diaporama ou en scène vidéo. Celle-là, je suis assez contente. C'est du boulet chauffé. Alors, je les ai pris juste pour vous les montrer hein, parce que je sais même pas si je vais les utiliser. Elles sont pour moi, celles-là, c'est les miennes. C'est des essais que je voulais faire depuis longtemps et voilà, je les aime bien. Donc le cappuccino du matin remué avec cette cuillère là pour pas abîmer mes cuillères. On va pas salir mes belles cuillères. Et là j'ai épluché des pommes hier, je les ai ramenées et on va faire une sorte de petite compote comme dessert pour ceux qui font leur trip ignoble. Au petit déj. Voilà. Pourtant, je pense que j'aimerais ça, mais je sais pas. Le matin, je peux pas. Putain, il est 3h de l'après-midi. Mais oui, bon. Voilà, avec du riz. Des tripes du riz. Donc, on a fait un tout petit feu, pour l'éteindre facilement. De toute façon, il y a plein de neige. Les tripes. Elles sont cuites. Ma compote. Bah, ça sera pas de la compote, ça sera des pommes chaudes un peu molles. Mais moi j'aime ça. Je vais rajouter du sucre, de l'eau. C'est des patatoses. Voilà, des patatoses. Non, mais ça va être sympathique. Hop. 10h20, ben, tu vois. 10h20. Oh ouais, putain, va falloir ça commencer. Vite quand même, hein. Ah ouais, faut. Dans une heure, on est parti. Donc moi je vais commencer à ranger. Ouais. Oh,
Non, mais je pensais que le jus des tripes allait davantage. Ouais. J'adore ma pelle de jardin. Je m'en sers à tous les bivouacs. Là-dessus, ça, c'est un truc. On quitte bien avec la neige. On éteint le feu comme ça, même si on n'a pas d'eau. J'avais un peu d'eau dans ma nalgène, ma bouillotte. Et puis voilà, là je laisse fondre, je mettrai de la neige, etc. etc. C'est bon, Looping? Tu trouves ton bonheur? Attention les tripes, hein. Ça te tente bien, ça, hein? Ouh, ça a l'air bon, ça, hein? Mais non! Non! La tête! Juste sous son nez. Venez manger vos tripes avant qu'elles soient froides. Et qu'elles soient mangées par Looping, surtout. Bonjour. Bonjour, Fifi. Bonjour. Ça va, c'est bon? C'est bon, d'accord. C'est bon, ouais. Ça va? Guillaume, c'est bon? Ça change des criquets. Ah. Allez, moi, je vais manger ma compote, hein. Ce sera mieux. Différent. Mais je vous en laisse, hein. Vous en voudrez aussi, hein. Vous en mangez? Oui, oui. Qui veut ma compote? Qui? Attends, regarde. Toi? Ah oui, de toute façon, je vais faire vraiment bien. Mais oui, oui. Ouais. Il faut vider ma gamelle pour que tu puisses te mettre. T'as mal nettoyé ma vaisselle. Mmh. Je fais comment pour manger la compote, moi, maintenant? T'es pas un bon chien. T'as fait, c'est bon, ce plat. Hop. Je sais pas si je vais en prendre, après la gamelle là. Ah bon? C'est pas grave, elle mangerait, hein. Voilà, on est dans la bonne grosse descente qui doit pas se voir en vidéo. Quoique, quand on voit Fifi là, tout petit là-bas. Ah, c'est pas évident avec la neige. Sans raquette. Je suis obligé de tenir Looping avec le bâton parce qu'il le hume depuis tout à l'heure pour aller s'enfuir et non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, donc c'est pas pratique du tout. Mais voilà, j'ai pas de laisse. Oh, il me casse la figure. Avance Looping. Mais c'est pas vrai. Looping avance, allez. Allez. Allez, tire-moi. Voilà. Ah, quel bonheur. Quel bonheur quand ça monte. Allez, on est arrivé au camion. Les sacs sont posés. Et puis, bah, je dis merci à Fifi et à Guigui d'être venus. À Guigui, à Guitoun, à la petite tante. À Guitoun d'être venus. Pas petit. C'est pas vrai. À bientôt, ciao.